Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un client Messenger pour Facebook. Oh là là, sacrilège, il est en train de montrer un écran sur lequel apparaissent ses messages privés Facebook. Sacrilège. Je n'ai rien à cacher, surtout sur cet écran. Donc, lisez et amusez-vous. Alors, ici, je me trouve dans le slash message de facebook.com. On est d'accord? Facebook permet également de pouvoir consulter donc ces messages via une page qui est nommée messenger.com. Alors, vous allez me dire, oh, c'est un peu débile. Non. Exemple. Si je me rends sur Accueil pour pouvoir voir mon flux d'actualité, je peux également passer d'un onglet à l'autre. Parce que si je n'avais pas cet onglet-ci, je devrais faire, oh, je vais aller lire mes messages. Oh, maintenant je vais retourner sur mon fil d'actualité. Vous avez vu le temps que ça prend? Ce qui veut dire que voilà. Vous pouvez rester sur votre flux d'actualité tout en consultant vos messages. OK? On est d'accord? Je vais faire comme ceci. Alors, maintenant, il y a une application qui se nomme Messenger for Desktop. Ce n'est pas l'application officielle Facebook. C'est une application non officielle. Même s'ils mettent Messenger for Desktop, officiel. Ils veulent dire que ceux qui ont développé cette application-là, qui n'ont aucun lien avec Facebook, disent que Messenger for Desktop, ben voilà, ici c'est l'officiel, parce qu'il y en a peut-être de ceux qui ont voulu les copier. On est d'accord? Si on clique ici, utiliser l'application, on arrive sur ce site web, messengerfordesktop.com, qui est un client. Pour afficher donc Messenger Facebook, pour afficher l'utiliser, mais il n'y a aucune affiliation avec Facebook. D'ailleurs, c'est bien mis. C'est un client que j'ai utilisé sous Windows comme sous Linux. Mais depuis peu, depuis quelques mois maintenant, malgré que cette application non officielle, Messenger for Desktop, est open source, ben malgré cela, il ne propose plus le client pour Linux. C'est bien mis, macOS et Windows, malgré qu'il y a toujours l'image, regardez, avec le client pour Linux, pour macOS et pour Windows. C'est bien dommage parce que ben c'était bien pratique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Mais en fouillant, je suis tombé, en fouillant sur GitHub, je suis tombé sur ce développeur-ci, Syndrosaurus, qui développe énormément. Et il développe quoi? Ben, entre autres, il développe Caprine. Caprine, eh bien, c'est un client Messenger pour Facebook, donc non officiel. On est bien d'accord. Alors, ce développeur-ci, oui, il développe beaucoup. Je me suis rendu sur son site. Voilà, syndrosaurus.com. Vous y ferez un petit tour. Si on va dans les applications développées, voilà, c'est tout ce qu'il a développé. Alors, elles sont toutes pour Mac OS, sauf Caprine qui est cross-platform. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Caprine. Donc, je vais prendre ce lien-ci. Voilà. Je me rends dans ma VM, qui est une Ubuntu 18.10. Je me connecte. Voilà. Ouais. Donc, je vais lancer mon navigateur web Firefox. Voilà.
Donc, je colle le lien Syndresaurus slash Caprine hein, sur github.com. Alors, je vais me rendre sur Release. On peut voir qu'on est déjà à la Release 2.20.0. Et moi, je vais aller chercher le fichier .deb. Voilà, qui est ici. On peut voir qu'on a du .zip pour Mac, on a un .appimage, .dmg, blockmap, exe pour Windows, exe.blockmap, du .deb, du .snap, on est gâté. Je vais prendre le .deb, voilà, je vais l'enregistrer. Je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Je ne sais pas si j'ai cliqué dessus. Non, je ne pense pas. Voilà. Sûrement dans téléchargement. Oui. Clic droit. Ouvrir avec l'installation de l'application. Donc ça lance en fait logiciel. Voilà. Donc un client élégant, une application élégante pour Messenger Facebook. Installé. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. On patiente, ça va aller vite. Ça devrait aller vite. Je l'ai testé sous Linux Mint, il n'y a aucun souci. J'espère qu'ici, on ne va pas avoir le fameux souci de l'applet, de l'icône qui ne se place pas dans la zone de notif. On va voir. Donc, le fichier .dep, on n'en a plus besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher Caprine. Donc, C-A-P. On peut voir Caprine. Je clique. Ah non, pas de souci, l'icône est bien là. Nickel. Donc, je vais me connecter. Soit avec mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Alors, le mot de passe qui va bien, que j'ai oublié. Voilà. Continuez. Voilà. Veuillez vérifier votre compte Facebook. Continuez. Oui. Soit j'introduis mon code à 6 chiffres grâce à mon application Google Authenticator, ou alors j'ai reçu un petit pop-up sur mon GSM, j'ai cliqué sur oui pour dire que c'était OK. Continuez. C'était moi. Ne pas enregistrer, puisque c'est pour cette vidéo uniquement. Et voilà. Super. Alors, redémarrer ultérieurement. Voilà. Le client. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence. C'est uniquement une encapsulation web du client officiel Facebook. Voilà. Alors, c'est en français. C'est normal, hein, puisque moi, je proviens de Belgique, j'utilise Facebook en français, donc tout est en français, c'est une encapsulation web. Maintenant, si je me rends dans les préférences du logiciel, tiens, par exemple, tiens, ça c'est bizarre, petit bug. Afficher les détails. Je viens de remarquer, ah,
Ouais, il y a un petit bug. Je viens de le voir. Regardez bien ce qui va apparaître ici. Ah non. Ah ben voilà, le v'là le bug. Voilà le bug. On me semble bien, je me dis, mais où sont tous les onglets? Eh bien, ils sont là, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc, pour en revenir à nos moutons, c'est une encapsulation web. Donc, moi, il sera en français. Maintenant, les onglets, regardez, c'est en anglais. Il y a juste ça. Mais sinon, il fonctionne très, très, très bien. Ce que je veux peut-être faire pour vous montrer qu'il n'y a aucun souci, que ça fonctionne bien sous Mint quand même. Je vais aller chercher une Mint. Allez, Linux Mint. Pourquoi pas? Mais il faudrait que je fasse un petit clone. Donc je ferai un petit clone. Voilà. Intégrale. Voilà, faut juste patienter un peu. Voilà. J'ai mon clone qui est ici. On va faire comme ceci. Voilà. Je démarre. C'est parti sur l'autre écran. C'est pas un problème. Pourquoi un clone? Bah, tout simplement parce qu'une fois que je clone, bah, je travaille à partir du SSD. C'est simplement ça. Donc c'est plus agréable pour moi comme pour vous. Voilà, donc je démarre Firefox. Comme ça, vous aurez vu l'installation sur Ubuntu, mais également sur Mint, pour vous montrer que sur Mint, ben, apparemment, il n'y a aucun souci au niveau de l'intégration de la barre des menus. Donc, Release, je vais chercher mon .deb sous la dernière version. Donc, ici, voilà. J'enregistre. Mais je suis en train de me demander si... Je vais devoir démarrer logiciel. Je pense que je n'ai pas... Non, je n'ai pas G2B. Moi... Ah, si je l'ai. Bon, c'est que je l'ai alors. On va faire ceci, on ferme Firefox, Tuna, téléchargement, clic droit, ah ben ouais, G2B. Oui, je suis bête, il est installé par défaut sous Mint. Installer le paquet. C'est faire deux fois le travail ça, mais au moins, ben, voilà, on a vu que sous Ubuntu, j'étais pas au courant, je l'avais testé sous Mint. Sous Mint, il n'y avait aucun souci. Et je me suis dit pour cette vidéo, bah, je vais montrer comment ça fonctionne sur Ubuntu. En l'occurrence, la dernière version, la 18.10. Bien, pas de bol. Il y a un petit souci. Ben voilà. Donc, je vais vous montrer que sous Mint, il n'y a aucun problème. Voilà, je n'ai plus besoin du paquet. Je vire. Hop. On va aller chercher Catherine, qui est ici. L'intégration est parfaite. Voilà. Je me connecte de nouveau. Alors, le mot de passe qui va bien. Continuez. Continuez. Je valide oui sur mon GSM. On patiente. Continuez.
Continuez. C'était moi. Ne pas enregistrer parce que c'est juste pour la vidéo. Continuez. Et voilà, c'est nickel. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de souci. Intégration parfaite dans la zone de notification grâce au petit appelet. Si je fais un clic droit, toggle, ben c'est pour le montrer. Pas ta gueule, toggle. Ou quitter. Et on peut voir qu'on a bien accès aux onglets, il n'y a pas de souci. Et voilà, onglets qui sont entièrement en anglais. Mais à la limite, vous pouvez laisser le paramétrage comme il est. Hein. Il est bon comme ça. Sinon, bah, on peut lancer une nouvelle conversation, voir la conversation suivante, précédente, insérer un GIF, un emoji, insérer du texte, conversation mute, archiver la conversation, supprimer la conversation, voilà, ça il faut laisser, voir un petit pop-up à l'arrivée d'un message, et mettre un badge, un petit badge. Avec le nombre de conversations non lues, je suppose. Lancer, minimiser. Alors ça, c'est pas mal. Moi, j'en ai pas besoin. Je n'en ai plus besoin. Switch to work chat. Donc, c'est un chat de groupe pour le boulot. Voilà. Si on veut repasser à Messenger, voilà. Alors, je ne serais pas lancé une conversation audio, je pourrais. Mais bon, je vais pas le faire. Vidéo, je ne serais pas, je n'ai pas connecté ma webcam à la VM. Par contre, je vais vous montrer que ça fonctionne. Je vais faire Hello. Je t'aime. J'envoie. Voilà, je vais fermer. Et on patiente, et on va voir ce qui se passe. Et voilà. Ma chérie a répondu, moi aussi. Je peux voir, et là, l'icône est passée au bleu. View. Ah, apparemment, le clic sur le view ne m'affiche pas Messenger. Donc, si je clique ici... Attendez, donc là, j'ai fait un clic gauche. Clic gauche et clic droit. Ah ouais. Fait appel au même menu contextuel, donc toggle. Moi aussi, génial. Ben voilà, ça fonctionne. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.